Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une présentation d'un petit carré art thérapie Disney chez T-Rose. Donc là, c'est Love Story. Ça sera la dernière présentation pour moi, mais je sais pas si je pense pas que vous les aurez dans l'ordre, hein, clairement. C'est bien, j'en ai peut-être deux, trois à plastifier encore, sinon ils sont protégés. Donc, toujours le tracker qui ne sert à rien parce que je le mets pas forcément un jour. Alors, celui-ci. Mai 2018, mais il est imprimé en février 2019. D'accord. Donc il a mis du temps avant d'aller à l'impression. Donc achevé. Ah oui, c'est parce qu'il a été entamé quelque part. On ne sait pas où, parce qu'il a été achevé. On ne sait pas où, fabrication, je sais pas. Où il a été entamé. L'impression s'est achevée en Espagne. Par Macro Libros, là où tous les autres ont été faits. Voilà. Enfin, tous, peut-être pas, parce que je les ai pas tous. Mais ceux que j'ai, oui. Illustration et réalisation, bah, Antarctique. Donc là, on n'a pas d'illustrateur, donc ça va être beaucoup de copier-coller, de... Voilà. Même si, je l'ai déjà dit, les illustrateurs, maintenant, ne s'embêtent pas avec les copier-coller, quand même. Par rapport au papier, là, on nous dit pas que c'est du renouvelable, du recyclé, du machin. Par contre, on vous dit bien que cette représentation, reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon. Voilà. Le pour et le comment, je mets souvent mes mains. Ça, on est d'accord. Toujours des pages qui ne servent à rien et qui sont moches. Ah, ça colle, ça colle. J'avais mis un post-it là. On va essayer de ne pas arracher de page. On va essayer. Hein. Là, on va essayer. Voilà. Casser un peu. Donc, on a toujours les motifs dans les personnages, dans le fond, les pages papier peint. Non, ça reste. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais voilà. On voit que le post-it a déteint sur le colo. Je crois que c'est rose. Je sais pas si vous voyez là. C'est rose. Enfin, moi, je le vois à l'œil nu, mais j'ai pas l'impression qu'en caméra ça rende. Mais je vous le dis, c'est le cas. Par contre, il est quelle heure? Il va falloir que je parte bientôt. Alors, on va quand même faire ça relativement vite. Donc, on va passer rapidement des fonds et des motifs. Mais bon, ça reste des petits carrés que j'aime bien. Voilà. Parce que, bah, c'est pas long. Voilà, si on fait un aplat de couleurs en fond et puis on se concentre sur les personnages pour voilà, on a nos combos qui sont tout prêts grâce à Mademoiselle Disneyland ou Anna et ça va quand même relativement vite. Ça, vous faites un aplat de couleurs, c'est pas. Est-ce que c'est une page qui a été reprise du Mickey and Friends? Je sais pas, peut-être. C'est fort fort possible. Je vais pas vérifier avec vous parce que là j'ai pas le temps. Mais je pense. Peut-être que au montage. J'aurai peut-être plus de temps et je ferai peut-être la vérification, mais franchement, ça m'étonnerait pas. Donc oui, ça fait mal aux yeux. Les épileptiques, il faudra peut-être faire gaffe. Parce que franchement. Je suis pas mécontente que ce soit le dernier que j'ai à vous présenter au niveau des petits carrés quand même. Ce matin, j'en ai mangé et j'arrive un petit peu à overdose. Celle-ci, on l'a dans un autre. Crois qu'on a dans un grand carré et un petit peu de chou. J'ai déjà vu. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire la présentation de tous mes livres de colo en même temps, c'est voilà, c'est pour garder une trace. Et si vous voulez
Retrouver un, voilà, me proposer un duo ou quoi, bah, vous savez où piocher. Si j'avais adoré la faire. Suis bien embêtée, mais franchement, j'ai adoré la faire. Les pages qui ne servent à rien. Waouh, celle-ci, elle est épique. Hein. J'avais fait celle-ci aussi. Je voulais vous la faire en color longue, puis finalement. J'ai pas trouvé le truc plus intéressant que ça. Là, c'est pixelisé. Hein. Pas si vous allez voir, mais c'est fort pixelisé. C'est pas joli. Pourquoi t'as cool de mettre le même colo plusieurs pages d'affilée en fait? Pourquoi ça cool? Parce que pour ceux qui font les livres dans l'ordre, il y en a certains, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve pas ça cool parce qu'ils doivent se taper bah, le même colo plusieurs pages d'affilée. Et... double page est intéressante. Oui, à part si c'est pour une double page. Peut-être une double page, mais pas. Alors, ce qui tient. Oh là là. Ah oui, mais oui, c'est des trucs qui se découpent. Donc, ouais, là, je comprends mieux. Donc, oui, d'accord. Quand il faut découper un personnage, ouais, c'est pas cool. Mais bon, alors, marque. Enfin, je pense que c'est pour faire un marque-page. Je trouve pas ça cool quoi, trop pointu là, de toute façon ça va pas tenir dans le temps si vous plastifiez encore. Donc voilà pour le Love Story, où bah, je ne suis pas beaucoup allée. Va falloir que je me fasse des... Pardon, j'avais besoin de m'étirer. Oh, ça fait du bien. Donc ouais, que je m'en rajoute un petit carré dans chaque pack. Parce que... Bah... C'était vraiment des colos qui vont vite et mais bon, on va pas revenir sur le travail d'Hachette qui pour moi n'est pas trop. Voilà. Mais celui-là, j'ai bien aimé le faire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je file à mon rendez-vous. Et